What's up, guys? What's up, YouTube? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Sa Chanel. Pour tous ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, salut! Je m'appelle Sacha Baga et aujourd'hui, guys, je suis tellement, tellement, tellement contente parce que on fait un unboxing de wig! Woo! Et oui, on fait un unboxing de wig et voici ce que j'ai commandé. Et là, attention, j'ai lu vraiment plusieurs commentaires de gens qui ont commandé des perruques de cette compagnie-là. Et premièrement, c'est des perruques en cheveux humains. Donc, c'est des perruques quand même assez de très haute qualité et assez dispendieuses aussi. Mais comme je porte des perruques à tous les jours, je me suis dit que ça pourrait être un très bel investissement. Et également, j'ai jamais eu un look de cheveux comme ça. Ça donne un peu une vibe un peu Rihanna, Khloé Kardashian, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, let's do that. Alors, j'ai commandé une 18 pouces. On va regarder de quoi ça a l'air. Et on va regarder également de quoi ça a l'air sur ma tête. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker la vidéo, subscribe, activer la petite cloche juste ici pour être certain de jamais manquer lorsque je pose une nouvelle vidéo. Et pour un maximum de connexion entre vous et moi, je vous invite à me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Et sur ce, guys, ben on y va maintenant! Girl. Ooh, those are serious, guys. Wow, okay. Okay. Mm-hmm. Luxury hair. You're not playing with me, honey. Okay, okay, okay. Okay. Donc, ça vient avec ça ici. Wow, ok. Je capote. Ok, je suis vraiment contente. Guys. Ooh. Isn't it cute? Oh, la couleur est vraiment nice. Hey, le lace a l'air absolument parfait pour une femme blanche. Souvent, c'est un des problèmes quand j'achète des perruques. Ils ont le lace très foncé, donc c'est pour des femmes qui ont une couleur de peau plus foncée que la mienne. Wow! Oh, you guys! Isn't it cute? Oh my God! Attends, on va lui donner un petit coup de brosse. Où est ma brosse? Okay. Let's do that. Oh my God. Okay, guys, elle file quand même vraiment bien. Yeah. C'est, la couleur est un peu plus orangée, en fait, que l'image. Mais il n'y a rien qu'un petit toner ne peut pas arranger, guys. It's not, elle a vraiment beaucoup de cheveux. Elle file très soft. J'aurais aimé que les mèches d'Ombre montent plus haut, parce que là, c'est vraiment comme si il avait pris la perruque, il avait trempé dans le bleach et il l'avait laissé comme ça. Il y a une petite job à faire dedans. Mais, so far so good, it's not that bad. It's not that bad. Luxury hair.
Vous devez apprendre à faire des mèches, je pense, parce que... Just like, I'm not sure. Bon, alors, je vais aller hors caméra, je vais mettre cette perruque sur ma tête et on va voir ce que ça va donner. Okay, guys, it's not bad. It is not this, but it's not bad. Il manque de travail, il manque de finesse dans cette perruque. Mais le cheveu est vraiment le fun. Le lace est vraiment le fun aussi. C'est un lace. Pour les femmes blanches, la ligne d'implantation est quand même good. Ce que j'aime beaucoup de cette perruque-là, c'est qu'elle est très petite. Alors, elle tient très bien sur ma tête. You guys, je pense la seule chose que je vais devoir faire, c'est faire un toner dans la perruque pour couper le orangé qu'on a. Ben là, c'est vraiment orange sur noir. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement winner. C'est pas vraiment quelque chose qui me parle. Mais je vais aller couper le lace, guys. Je vais installer la wig. Puis on va voir parce que c'est sûr qu'en ce moment, weird with this. Fait que je vais faire le lace, puis je reviens dans... quand c'est terminé. J'ai déjà commencé à styler un peu la wig. Juste histoire de voir si un coup stylé, le look va être un peu plus cute. Alors. Alors voilà, guys. Après avoir. Passer au moins un bon gros 45 minutes à jouer dans la perruque. J'ai pas fait de baby hair. C'est sûr que quand je vais faire les baby hair, ça va donner un look un peu plus naturel au hairline. Mais so far, so good. La qualité est vraiment le fun. Mais la couleur est vraiment, vraiment, vraiment pas la couleur que j'ai commandée. Donc, sur 10, je donne à cette perruque un 8. La qualité est vraiment excellente. Avec les baby hair, ça va faire vraiment un look plus naturel, c'est sûr. Mais pour l'instant, vraiment, ce qui me bug, c'est la couleur.
Je trouve que la couleur fait très fond de pigmentation. Ils ont vraiment définitivement pas tourné la perruque avant de l'envoyer. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont voulu rusher la commande ou quoi, mais pour ce qui est vraiment de la qualité, la perruque a vraiment beaucoup de cheveux. Le hairline, il est quand même très cool. Il faut vraiment que je fasse des baby hairs si je veux la porter et il faut également que, oups, elle a déconné un peu. Il faut absolument que je la tone pour lui donner un effet un peu moins botché. Comme ici, girl, what is going on? Nope. Donc, luxury hair, 8 on 10 for this one, because the color is not right. It's really not right. It's supposed to be this. What the fuck? But voilà. Alors, guys, hein? Est-ce que je vous conseille, recommande luxury hair? Yes, but not for the blonde, because this is not right. It's not the good color, and I'm pissed. But so far, so good. It's not that bad. Alors, je vais me magasiner un toner, tourner cette perruque et dans une prochaine vidéo, vous montrer de ce que ça a l'air, un coup que c'est satisfaisant. Parce que pour l'instant, c'est satisfaisant 8 sur 10. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis un peu déçue. Je pense qu'on peut lire la déception dans mon visage. Mais bref, si la vidéo vous a plu, donnez un thumbs up, subscribe. Activez la petite cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur ce, je vous dis à la prochaine. Yes!